Je sais pas, on peut s'arrêter à 18h. Mais... je te joue pas le temps. Eh bien, la genèse du projet en collaboration avec Artus et Art Brut autour de l'œuvre Crec, ça vient justement de la question qu'on se posait à l'occasion du 60e anniversaire d'Ars Nova. Comment renouer avec cette... ce pluralisme esthétique et aussi comment trouver de nouvelles zones créatives pour inspirer, réenchanter aussi d'une certaine manière l'approche créative de la musique en général, mais aussi des répertoires qui sont les nôtres. Alors tu vois, si on prend ce truc rythmique là, là je vais jouer que les basses de ça, tu vois. Donc la cellule en 6, elle fait ça là. Il y a l'envie en fait sur la région Nouvelle-Aquitaine d'imaginer une façon de voir le monde musical un peu différemment de ce qui s'est fait jusque-là, où en fait le monde de la création c'était le monde de la musique contemporaine et les autres en fait on était juste des gens qui répétions des formes. Nous on est dans une pratique en Gascogne où de la symétrie, ce que je te parlais par rapport à tes étudiants, la symétrie mélodique, la symétrie de carrure même. Asymétrie rythmique et asymétrie, tu vois, il y en a partout en fait. Enfin, il peut y en avoir partout. Alors après, là, je montre des exemples volontairement un peu asymétriques, mais c'est quand même assez inhérent à notre pratique, quoi. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les repères qu'on a besoin, ils sont assez minimaux, quoi, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, c'est ouvert au jeu, quoi. Et ça, c'est pas mal, quoi. Je trouve que ça crée un. Non, mais, là, déjà, mais si tu commences à l'écrire comme ça, là, tu vois. Ouais. Ça devient... C'est là aussi qu'on aura ces discussions et ça rejoint le truc par rapport à ce qu'on a à faire ensemble. Si jamais tu veux passer par l'écrit, c'est possible, mais ça devient une écriture qui commence à être un peu technique. Alors que si tu le joues et que tu le fais juste sentir, tu vois... Mais c'est pour ça que je te dis... C'est... En fait, pour moi, ça, c'est plus une idée d'indiquer, parce que si tu veux, ce qui va être problématique, c'est comme on est dans une musique de tradition orale qui se fait exactement comme tu le dis, c'est-à-dire par le moment où tu le fais, tu vois. Mais là, on est en train de se poser la question de la transmission de cette œuvre. Ouais. Et donc, moi, je me dis, en fait, autorisons-nous à créer des éléments de communication qui biaisent cette contrainte de l'oralité. La première fois, on fait « ta-din, tan, ta-dan ». On repart. La deuxième fois, on fait « ta-din, tan, ta-dan ». La première fois, on fait « ta-din, tan ». On repart. La deuxième fois, on fait « ta-din, tan, ta-dan ». La fois d'après, on fait « ta-din, tan, ta-dan, ta-dan ». Et la dernière fois, on fait « ta-din, tan, ta-dan, ta-dan, ta-dan ». Et pour s'y retrouver, comme en tradon, et on a une coude qui n'a rien à voir, qui fait « pa-dam, pam, pa-bam, pa-bam, pam, pa-bam ». Deux temps. Donc, c'est, à la fin, c'est un tampon de 4 plus une quadrate de temps. Donc, et qui fait qu'on reboot. 2, 3... 4, 5, 6. Oui, mais donc du coup, tu le tapes à la noire, du coup. Non, moi je fais... 3, oui, je tape à la noire. 6, c'est pour ça que moi je décompose la croche, t'es en train de... Non, tu tapes à la noire. Ok, tu tapes à la noire. Oui, donc c'est vraiment... Voilà. 2, 3, 1, 2... 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Ouais. Ok. Je crois que c'est Olivier Durif là, qui disait ça. Il disait la musique traditionnelle, ça peut être simple ou très compliqué. Mais alors, vraiment très compliqué. C'est ce que ça veut dire là. C'est-à-dire qu'en fait, si tu fais pas gaffe à ça, bah, t'entends un truc qui est assez carré, ça joue, bon, ok. Si tu commences à l'analyser plus précisément et que tu as une conscience analytique, tu dis putain, en fait, c'est quoi? C'est un espèce de triolet de noir foireux. Tu vois, alors qu'en fait, si je te le joue et que je te le communique comme ça et que toi t'es dans une oralité,
Bah en fait, ça va, quoi. Oui, parce c'est que tu passes par la sensation. Exactement. Et tu passes par la sensation, et c'est là où moi je te dis, je connais suffisamment les réflexes des artistes au plateau d'un orchestre classique pour savoir que eux, ils vont passer par la compréhension mentale pour, si tu veux, le triolet. Eux, ils vont un triolet, ils vont le remettre dans le contexte, ils vont dire c'est un triolet qui doit être fait comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais il leur faut l'information technique en premier. Ensemble, on cherche l'endroit où ça mérite d'être écrit, ou si simplement, plus largement, une consigne qui s'adresse à l'instinct musical des artistes suffit. Donc on crée des supports un peu hybrides, parce que la grande question de ce projet-là, c'est aussi un projet de recherche, et ça, il faut vraiment le penser ainsi, c'est-à-dire que Krek version Art Brut Ars Nova, c'est à la fois un projet artistique, mais c'est avant tout un projet de recherche sur le lieu de rencontre entre les musiques traditionnelles d'essence patrimoniale et les musiques de création plus contemporaine, classique, contemporaine en tout cas. Tu prends une partition de Bach, tu la fais lire à un ordinateur même en MIDI. Il y a une conception, si tu veux, verticale et même une construction en général qui fait que tout seul, quand même, ça tient, même si l'interprète est un ordinateur et qu'il y met très peu de nuances. Enfin, en tout cas, tu captes, si tu veux, qu'il y a une pensée. Dans nos musiques à nous, si c'est pas habité, c'est au clair de la lune, si tu veux. Mais c'est pour ça que je te dis, moi, là, ça m'éclaire aussi sur le processus de travail qu'on va devoir mettre en place, parce que je pense qu'on a peut-être été un peu optimiste sur le calendrier. Donc peut-être qu'il va falloir une phase intermédiaire avec un tout petit groupe, et on travaille ça. Disons que c'est une première phase de transmission, dans le sens où, dans Artus, on avait l'habitude de jouer ensemble depuis 20 ans. Donc on est sur des codes et des façons de parler de la musique qui nous appartiennent, en fait, finalement. Là, c'est la première fois qu'on rencontre des musiciens extérieurs avec des codes sans doute différents. Nous, dans la musique actuelle, on a tendance à créer nos termes, à créer nos processus de transmission, parce qu'il y a beaucoup d'oralité dans ce qu'on fait. Notre pratique dans Artus était une pratique liée à l'oralité, donc du coup, à inventer tout un vocabulaire qui va avec, etc. Donc là, on est en train d'essayer justement de basculer dans l'univers des musiques contemporaines en s'appropriant le vocabulaire qui va aller permettre de dialoguer tous ensemble, et aussi d'y intégrer nos particularités et nos façons aussi de faire la musique, pour que cette façon de faire la musique, cette façon dont on a fait sonner l'œuvre, puisse se retrouver au fil du temps dans ceux qui s'approprieront ce travail-là. Du coup, on avait prévu, donc en fait, il y a Maud aussi qui joue de l'alto et du tambourin. Du coup, on t'avait prévu là, toi, Benoît. Okay. Et puis, Carl Emmanuel, on t'avait prévu là, toi. Voilà. Carrément, ouais. Oui, je peux faire ça. Je sais pas, comme là, il a envoyé des fichiers ce matin. Donc je pense que j'ai mieux score sur mon ordi. Donc je pourrais ouvrir et puis corriger comme ça. Enfin, faire des. Voilà, on verra. J'ai aussi des petits plateaux comme tu as derrière là, okay, avec de la mousse. Je sais pas si ça peut être utile pour poser des choses. Je sais pas du tout, en fait. Oui, pardon, ouais. Du coup, ok. Mais ouais, j'imagine que ça soit assez, il n'y en a pas besoin. Mais, et du coup, en fait, décale, mais en fait, ça dépend. Oui, je suis con. La semaine dernière, j'avais un musicien, il s'arrêtait pas de tomber, donc en fait, je lui ai mis ça. Oui, mais en effet, ça va bloquer. Ouais. Et ça dépend si c'est stable ou pas. On va voir. On est au dernier étage. Ils vont rattraper avant. Ouais, ça va. Ah oui, attends, il faut que je file les tambours. Il y a pas mal encore grave. Ouais, c'est que des sols et des dos un peu partout. Mais il y en a qui ont des cordes plus. Ça, c'est des deux pans en fait. Mais là, on a mis. Enfin, t'as deux accords normalement. Mais là, c'est le même. On a un accord des deux côtés. Je sais pas. Je vais tirer vers des sols. On les change. C'est de là, quoi. Ouais. Allez, je vais prendre celui-là. Ouais. Donc toi, t'as choisi celui-là, t'as le choix entre celui-là
ou celui-là. Ils sont de la même difficulté. Là, oui. C'est pareil. En fait, c'est juste un intervalle qu'on tape, quoi. D'accord, ouais. Il n'y a pas de jeu particulier. Ah ouais. Okay. Bah, celui-là a plus de fleurs. C'est son papa qui fait ça. C'est Romain. C'est sympa celui-là. En fait, j'en avais quatre. Non, il n'y a pas besoin. Ah oui, d'accord. T'as vu, c'est hyper bien. C'est ton père qui les fabrique, hein, c'est ouais, ça ouais. C'est mon père qui les fait, ouais. Et oui, si tu veux en ramener au moins un, pour moi. Ça va, c'est bon là c'est... Il est déjà dedans, c'est bien. Commencer par faire le Lariou, jouer Lariou. Lariou, ça veut dire c'est le cours d'eau, c'est le ruisseau qui va descendre depuis le haut de la montagne jusqu'à la mer et qui traverse donc le paysage, mais qui traverse aussi toute l'œuvre musicale que nous sommes censés jouer. Et c'est un rythme avec un temps et un contre-temps qui est joué au tambourin à cordes, avec à la fois un aspect percussif et cette sorte de bourdonnement de quinte plus ou moins saturé avec des petites aspérités dans le son qu'on répète, on peut répéter pendant un quart d'heure facilement, et il y a un aspect complètement hypnotique en fait, on se laisse traverser par ce rythme répétitif. C'est vraiment la première rencontre, donc on a besoin de s'appréhender et d'essayer de voir un peu quel est le langage de départ de Craig et voir comment eux ils l'entendent, est-ce qu'ils le comprennent bien, et ce qui est génial c'est qu'ils viennent avec leur écoute et leur lecture de personnes habituées, enfin de musiciens habitués aux œuvres savantes écrites, et du coup ils viennent avec ce regard là et cette oreille vers une œuvre qui est bricolée à partir de l'oralité. Et je dis bricolée, bon, pour moi, c'est vraiment pas péjoratif. C'est au contraire, c'est ça qui est très beau. C'est que dans le bricolage, il y a vraiment une forme originale qui peut se déployer. Il n'y a pas justement une idée préconçue, mais ça se crée ensemble, dans le moment présent, dans le collectif. Il n'y a pas un auteur qui préconçoit l'œuvre de manière idéale. Du coup, comment vous voyez le truc qu'on prend Moi, je ferai un exemple, ouais. Un exemple peut-être à partir d'un morceau, je sais pas, comme Arribert, un truc comme ça, qui pourrait montrer différentes contraintes liées aux différents instruments, ouais, okay. Tu vois. Donc là, on va dire que... Donc, moi, dès le démarre, c'est 3, d'accord. Toi, t'es encore sur des mi bémol. Thomas démarre, c'est 3. Il démarre C3, t'as ton temps sur du mal. Peut-être que tu seras le dernier à démarrer. Tu démarres quand tu veux, en fait, d'accord, ouais. C3, tu fais la longueur que tu veux, on va dire ça. Tu joues C4, donc tu choisis une note de C3, d'accord, ouais. Tu choisis une note de C4. C4, en fait, t'as décidé de le faire beaucoup plus long. On arrive sur C5. Et C5, il est très court. Toi, t'arrives là, d'accord. On va dire, par exemple, que ça, c'est... on va dire c'est Maud, tu vois. Maud, elle arrive là. Ben, elle, pour attendre, elle va faire staccato. Non, pas de suite. On refait ça. Ah oui, non, pardon, ouais, pardon, deux fois ça. Donc là, on n'est pas du tout synchronisé, quoi. C'est désynchronisé, ouais. Ça crée, en fait, des superpositions harmoniques aléatoires. Okay. On joue ça x2. Et Maud, elle arrive au bout, on va dire qu'elle arrive la première, et pour attendre tout le monde, en fait, elle va jouer des staccato en si, parce qu'on a décidé avant que ces staccato-là étaient en si. C'est quoi les staccato? Pap, 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 pap. Oui, les croches arrivent. Ouais. Ah oui, ok. Ouais. Nous on dit temps fort, temps faible, mais... Et après quand on revient en second staccato, comme expliqué, on attend les uns les autres, et là on prend le goûter, quoi, c'est-à-dire qu'on installe aussi le staccato, faut pas que direct embrayer sur un autre truc, il y a une idée de retrouver ce truc, de le rendre en tétant, et puis on redémarre, oui. Quand tout le monde s'est retrouvé, c'est pas direct, on repart. C'est l'exemple, t'es mauvais skieur,
Les autres attendent 10 minutes, t'arrives, les autres reprennent tout de suite, quoi. Ce qui est un peu cool, t'attends qu'il se repose un peu, et puis une fois qu'il est arrivé, on repart, quoi. Voilà. Ce morceau, il marche que si jamais on est dans une espèce d'osmose de son. Tu vois, donc, par exemple, les sons très très timbrés marchent moins bien que, tu vois, si on identifie complètement lui, qu'il n'est pas mêlé avec toi, enfin, il y a un truc d'écoute. Alors, s'il n'y a que des sons timbrés saturés, ben, ça marche. Mais s'il n'y en a qu'un seul qui est saturé au milieu de tout le monde, ben, il sort du lot, quoi. C'est le principe du cœur, quoi. Tu vois, c'est, faut rester dans le cœur, en fait. Donc, le cœur, ben, il peut vivre, il peut monter vers la distorsion, mais il faut que tout le cœur monte ensemble vers la distorsion. C'est pas un d'un seul coup qui s'excite, qui tape un solo pendant 10 minutes. Je sais pas pourquoi je fais ça, parce que ça pourrait être moi, effectivement. Mais. Bon, on en était là, donc là on arrive tout. Je pense qu'ils aiment bien le fait qu'on collabore tous. Et ça, c'est vraiment plaisant. Moi, c'est quelque chose que parfois je vis un peu mal, même dans la création contemporaine, où c'est, il y a toujours souvent un chef d'orchestre, donc il nous dirige. Et donc, bah, on doit quand même. Des fois, on devient un peu plus exécutant que participant créatif. Et il y a souvent aussi un compositeur qui, pareil, voilà, a choisi. Après, c'est normal de jouer le jeu, mais. Et là, ce qui me plaît bien, c'est le côté un peu horizontal, et on est tous créateurs, en fait, et force de proposition. Tous les musiciens, dans le groupe de la compagnie Art Brut, sont multicasquettes. Parfois, ils ont une batterie avec un clavier, tout un système de pédales électroniques. Enfin, ils manient de nombreux instruments. Et nous, on arrive, et la surprise, c'est que c'est pareil. On ne nous a pas envisagé, on va dire, comme un instrumentiste, comme des instrumentistes vraiment juste monodiques, harmoniques. C'est pas du tout ça le propos. C'est un petit peu, ça me fait penser un peu à la musique baroque, alors que je ne pratique pas moi à titre saxophoniste, hein, mais même si parfois des transcriptions, mais où en musique baroque, finalement, ce qui comptait beaucoup, c'était l'improvisation, et après, on mettait un timbre, on improvisait avec un certain timbre, le timbre de tel ou tel instrument. Voilà, donc moi j'arrive saxophoniste, mais finalement je suis tout aussi percussionniste et j'adore ça, faire des rythmes et essayer de suivre les différentes carrures qui nous sont proposées là, c'est passionnant. Mais donc ça, c'est la première différence par rapport à Ars Nova, ou en tout cas ma pratique d'instrumentiste, c'est que je ne suis pas un instrumentiste, je suis musicien. Le branle d'Ancrec sous-tend en fait toute l'œuvre. Et donc c'est une danse très populaire du Béarn. Il y a plein de manières de la danser, il y a plein de manières de la varier aussi. C'est merveilleux parce que tout d'un coup, tout ce qui habite aussi la poétique de cette musique-là, tout ce qui est à la fois très présent et parfois suggéré par l'œuvre, et bien tout d'un coup est passé par le corps des musiciennes et des musiciens d'Ars Nova. Même si le jour du concert, le public ne saura pas qu'on a dansé ensemble, par exemple, parce qu'on ne va pas danser sur scène, mais je pense que ça va peut-être se sentir. Et dans tous les cas, pour nous, c'est une vraie expérience artistique de vivre ça, d'être de l'intérieur, d'apprendre en fait aussi, de faire des choses comme ça, en fait, qui sont peut-être cachées, en fait, mais qui font partie de la création et pour mettre en cohésion en fait les participants. Hello.
positionner les notes, même hauteur, même portée. Ok, je supprime ça. Je colle ça. Wow. Ouais, non, mais attends. Celle-là. Celle-là. Yamat. Campai. Oshashuna. Alors donc l'ensemble Ars Nova est ce qu'on appelle un ensemble à géométrie variable, donc aucun projet se ressemble en vrai, donc on peut être des fois une toute petite formation, un tout petit effectif sur le plateau, quelques musiciens seulement, comme des fois on peut se retrouver avec une trentaine, une quarantaine de musiciens pour certains projets. Et donc là en fait sur le projet CREC, en fait 6 musiciens d'Ars Nova se joignent donc aux musiciens d'Artus. CREC commençait avec un tirage de cartes avec le public. A priori, il est question donc de garder ce côté aléatoire du vagabondage en fait de CREC, c'est-à-dire que CREC visite 6 paysages différents, mais le tirage aléatoire fait qu'on va le visiter dans un ordre différent à chaque fois. Et ce qui permet de recréer une œuvre unique à chaque fois qu'elle est jouée, parce qu'en fait, ce tirage aléatoire produit un itinéraire qui est toujours différent. Donc 6 cartes de paysage, qui sont 6 règles différentes de jeu pour visiter ces paysages, et auxquelles on a posé à chaque fois un autre tirage aléatoire, qui sont 6 cartes d'intention, qui sont issues donc du travail qu'on a fait avant avec Artus, mais bon, en tout cas, qui donne une lecture subjective de chaque paysage pour les interprètes. Ces éléments-là, au final, ce qui est très intéressant pour nous, c'est qu'on est obligé de les traduire, de les approcher en tout cas, sous langue symbolique. Parce qu'un paysage, on le traduit tous et toutes à notre manière, avec notre sensibilité, notre vécu aussi, ou pas, de ce type de paysage. Et pareil, les cartes d'énergie, elles sont très symboliques, puisqu'elles font appel à des formes, soit des symboles de type cristaux, de choses comme ça, mais aussi des petites scénettes de la vie, des gens qui dansent autour d'un feu. Donc on apporte aussi, encore une fois, une forme de liberté dans l'interprétation de ces cartes. Qui est la personne innocente qui va tirer au sort ? Je suis pas du tout innocent. Je suis pas du tout innocent dans cette histoire. Bon, le moins... Tu dois d'abord couper. Le moins coupable. Le moins coupable. Je le mets dessous. La pression. Je regarde pas. Pique-toi. Ouais. Celle qui est un peu cachée. Toujours celle qui est cachée. Commence-t-on par... Le lac. Moi, j'ai tiré la première carte qui était le lac. Et du coup, j'étais leader de ce tableau. J'étais le guide de ce tableau, on appelle ça le guide. C'est un peu difficile pour moi parce que c'est une chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et nous, en contemporain avec Ars Nova, on a l'habitude d'expérimenter sur notre instrument. Mais on suit en général toujours une partition et un chef d'orchestre. Que là, c'est vraiment de la musique, on va dire, je veux dire, au ressenti. C'est ce qu'on ressent, qu'on doit un peu retransmettre, avec bien sûr des règles dedans, mais c'est plus quelque chose d'écrit et de très cadré. Enfin, c'est cadré, mais c'est pas pareil. Et c'est vrai que le côté chef d'orchestre, moi, me questionne beaucoup, en fait. Du coup, l'aspect visuel prend le pas, pour moi, sur la musicalité et l'espèce de truc très organique qui se passait avec ces espèces de choses qui vont se tirer les unes vers les autres et réagir ensemble. On est très tendu, et on est moins dans la proposition, d'ailleurs, dans la recherche sonore, on est plus tendu vers ce que tu fais, on est moins dans la... Parce que sinon, en fait, j'ai l'impression qu'aussi, on arrive tous, des fois, à une espèce de limite, tu vois, de ce qu'on peut faire, et que ça pourrait amener de la variété dans le propos. Moi, je pense que ça pourrait se faire comme on l'a pensé hier, c'est-à-dire qu'en fait, tu fais pas de signe, c'est juste que toi, en tant que guide, tu te mets à ralentir, ouais. Donc tu vas être out, quoi. Et en fait, c'est les autres qui convergent tout le temps vers toi, donc c'est à eux de se recaler. Après, ce que je me disais, c'est que le ralentissement, il pourrait être que peut-être à la fin, au lieu de faire un truc net, on ralentit, tu vois, de longues chutes, comme ça, sur un temps assez long, pour le coup, pas, tu vois. Encore une fois, là, c'est le problème de ne pas avoir de chef, c'est que tout est discutable. On a essayé d'enchaîner et de prendre la responsabilité pour chacun de nous d'être guide. C'était pas évident parce qu'il y a quand même
Il y a quand même 11 regards qui se convergent vers toi. Je suis vraiment très contente de cet échange qu'on a. C'est humainement, c'est super chouette musicalement. Enfin, ça, moi, je suis prof, je suis professeur de percussion. Et en fait, je me dis, tiens, ça, ce serait bien de faire ça avec les plus grands, et de leur parler de ce que j'ai fait, etc. Moi, ça m'apporte vraiment énormément. Voilà, je pense que c'est une rencontre très réussie, humainement. Et je pense que humainement, il faut que ça le soit pour que ça se passe bien musicalement. Enfin, moi, je trouve, tout est lié, quoi. Vraiment y aller là, les gars. C'est pas ça, pour la perturber. Faut lui lancer des trucs. Faut lui lancer. Elle continue. Ouais, en même temps, c'est continué en même temps. Ah ouais, c'est continue. Bah, c'est... Là, on pouvait pas vous le dire tout de suite parce qu'il fallait d'abord qu'on fasse des règles, mais c'est ce qu'on s'est dit hier soir. C'est-à-dire qu'après, à un moment donné, ces règles-là, c'est aussi une façon de se mettre par tableau en jeu. Et en musique, et s'il y a un truc incongru qui se passe, mais qui est hyper musical et qu'on suit, ben on joue quoi. Enfin, on va pas se dire, ah non, c'est pas la règle, c'est tout. Oui, c'est ça. Enfin, c'est... Je veux dire, encore une fois, c'est une invitation, un prétexte à jouer sur des idées, que vraiment un truc formel. Donc c'est super. J'aime aussi ce rapport de revenir aussi sur la base rythmique, la pulsation, et puis aussi revenir sur ce côté naturel. C'est-à-dire parler de chemin, parler de randonnée, parler de paysage. Et c'est ce qui nous apporte. Parce que parfois, on est dans la musique dite de création. Le compositeur donne sa partition, mais on ne voit pas toujours la relation de ce que l'on fait par rapport à l'œuvre. C'est petit à petit que ça se dégage. Mais on ne sait pas forcément si le compositeur est parti d'une phrase, d'un livre, c'est parti d'un poème. Là, on sait qu'on est dans cette nature. Je trouve que ce qu'il propose, aussi avec toutes les images qui sont associées, la montagne, le torrent, la plaine, la lumière, enfin, en fait, c'est, je veux dire, c'est universel. En tant qu'humain, on a tous eu, on a tous été confrontés à ces éléments-là, à cet imaginaire. Donc aussi le fait que cette musique, elle soit vraiment reliée à un imaginaire, enfin. Et à une recherche aussi philosophique autour de la caverne, tout ça, ben ça nourrit et ça nous permet de rentrer dedans beaucoup plus vite. Je pense qu'ils étaient arrivés en disant « Voilà, cette musique, c'est comme ça, alors là, on joue des croches répétées. » Oui, peut-être ça nous aurait pas trop parlé, enfin, ça aurait eu moins de sens. Thank you.
le choix qu'a fait Benoît, en fait, de choisir ces personnes-là dans l'ensemble, parce qu'ils sont assez nombreux, était le bon. Il a pris, semble-t-il, des gens qui étaient aventureux, quoi, qui avaient envie de sortir d'une certaine zone de confort. Quand je dis ça, c'est aussi accepter de participer à une œuvre qui n'est pas finie, avec des compositeurs qui ne sont absolument pas reconnus, qui n'ont pas un grand savoir-faire dans la musique contemporaine. Et à aucun moment, on a senti qu'ils nous... Enfin, eux, ils jouent des très très grandes œuvres et des très grands compositeurs. Ils sont confrontés à ça toute la journée, toute leur vie. Donc quand ils tombent sur Craig, écrit par Artus, que personne ne connaît, qui sont une bande de rockers qui jouent du tambour à cordes, il pourrait y avoir une certaine relativité, quoi. Ils pourraient dire, bon, allez... Non, justement, ce que je trouve très puissant, c'est leur professionnalisme, c'est-à-dire leur rigueur de travail, de concentration. Ils y mettent la même énergie, la même concentration que s'ils jouaient des grandes œuvres du répertoire contemporain. Et du coup, la technicité, le rapport à la précision du geste et tout ça, que nous, on n'a pas, quoi. Ça n'a pas été que sur l'aspect humain. Ils savaient qu'avec ces personnes-là, ça se passerait bien, mais il y avait aussi une recherche timbrale, un équilibre du spectre. Voilà. Et il a eu raison. C'était un bon choix, parce que je pense qu'au niveau de la couleur, en fait, de l'orchestre, c'est super. C'est équilibré, en tout cas. À force d'essayer de comprendre quelles sont les règles du jeu pour les uns et les autres, quelle est la façon de travailler des uns et des autres, et ben on finit par petit à petit s'approcher les uns des autres et trouver un endroit qu'on co-construit au final, hein, parce que cet endroit, il ne va pas de soi. Donc on le construit, en fait, cet espace de rencontre entre les musiques que pratique Art Brut et les musiques que pratique Ars Nova. À ce moment-là, à la base, il faut qu'elles soient moins fortes, beaucoup plus fortes, etc. Donc on joue, il n'y a pas de chef, mais ça a été travaillé pour que... Voilà, mais on sait quel équilibre on veut. Là, comme tout est improvisé... T'as aucune idée de ce qui se passe en face, et moi je trouve ça assez cool, parce que ça veut dire que c'est très subjectif à l'endroit où on est, mais ça peut être dangereux, parce que ça se trouve en face c'est pas le chaos, j'exagère un peu, mais c'est non, ça pourrait être un écueil, quoi. On entend effectivement pas forcément la même chose de l'endroit où on est, mais c'est toujours assez cohérent, en fait. Il n'y a pas un moment où juste il dit bon là j'entends plus rien. Moi je dis la seule chose qu'il faudra faire attention, c'est que si on est en position ouverte vraiment, tu vois. Le risque, c'est vraiment que les extrêmes, pour le coup, ne l'absorbent pas. Ouais. Et je pense que là, il faudra qu'on fasse trouver peut-être un système de retour. L'idée des sides, c'est une bonne idée. Le problème, c'est que balancer tout, ça va polluer le son de plateau aussi. Le son acoustique qu'on va créer au plateau. Et ça peut, c'est toujours l'écueil. Même en peu importe le style musical, moi, mon avis serait plutôt qu'effectivement d'avoir des amplis, un son local pour chacun, avec un ampli comme les Air Bretons, bien gérer un joli son de plateau. Les réglages d'ampli et compagnie, et ensuite peut-être venir mettre des retours en appoint pour ceux à qui il manque une information claire, dont ils ont besoin pour jouer, en fait. Enfin, en fait, j'ai qu'une envie, c'est de rajouter des pédales, de mettre des effets et de jouer comme un musicien de rock. Moi, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire. Enfin, quand j'étais plus jeune au lycée, j'avais mon groupe de rock, j'avais ma guitare, je jouais de l'alto, mais j'étais pas du tout. Le classique, ça m'intéressait moins, on va dire. Et du coup, c'est dans des projets comme ça où là, je sens que c'est. C'est ce que j'ai toujours voulu faire, en fait. Donc c'est marrant que je ne le fasse pas plus, mais ça, c'est hyper excitant pour moi. D'avoir l'instrument, d'avoir ses amplis, potentiellement des pédales d'effet, des choses, et puis de jouer comme un groupe de rock, ça, j'adore. Ouais. Nous, chez Ars Nova, dans la musique contemporaine ou la musique d'ensemble, on a tendance à jouer très souvent en acoustique. Quand les concerts sont amplifiés, il y a rarement des retours sur scène et compagnie. C'est plutôt pour diffuser dans les salles ou quand ce sont des pièces avec électronique et qu'il y a aussi des bandes qui se mélangent à l'orchestre. Et sauf exception, parce que les musiciens doivent jouer avec des bandes, ils ont très peu souvent des retours, comme on a l'habitude en rock'n'roll ou en musique actuelle, d'avoir chacun un retour. Et donc, là, on a une configuration pour l'instant où les musiciens d'Art Brut ont chacun leur ampli sur scène, comme s'ils étaient un groupe de rock. Donc, ils diffusent du son de plateau avec déjà amplifié. Et nous, on a des musiciens d'Ars Nova qui, pour l'instant, ont un son acoustique, pas encore d'ampli. Et pour l'instant, pour cette résidence-là, on est venu mettre des petits micros par-ci par-là pour pouvoir compenser ça. Mais là, à terme, ça ne sera pas comme ça. Donc là, il faut qu'on décide comment on ajuste, comment on fait se rencontrer ce son acoustique et ce son amplifié localement. De ça, elle a de particulier. Bon, déjà que nous, en tant que, on va dire, musiciens de musique actuelle, pour faire simple, on est plutôt habitués à des boîtes noires,
relativement mat, avec un système de diffusion relativement puissant, avec des subs et des micros qui consistent à faire que le son soit projeté grâce à l'ingénieur du son vis-à-vis du public. Ici, l'espace s'est réfléchi à l'envers, entre guillemets, à savoir que, un peu, j'ai envie de dire, comme dans les amphithéâtres romains, on est sur la scène et le son est diffusé, l'acoustique, on va dire les réverbes, les résonances sont travaillées de façon à ce que le son porte reste précis et c'est les instruments acoustiques qui sont mis en valeur. Alors, au début, on avait un dispositif qui était standard pour un groupe de rock, on va dire, ce qui était à Artus, voilà, un groupe de rock. Et là, à rencontrer des musiciens de musique classique, être dans un auditorium de musique classique, effectivement, on doit revoir tout le dispositif. Donc, on a cherché à amplifier chacun des musiciens classiques avec une enceinte pour reproduire un peu la pratique des musiciens de rock qui ont leur ampli avec eux derrière eux pour amplifier leur instrument. Alors, on se retrouve à fixer des choses, mais en fixant ces choses, on relibère des espaces. Donc, au final, l'esprit est toujours là, en fait. L'esprit est toujours là, il a évolué, mais l'esprit est là. Ils sont super sympas, déjà. C'est super musicien et ils s'adaptent hyper vite parce qu'ils sont habitués à lire des partitions comparé à, enfin j'allais dire à nous, à moi surtout, parce que les autres d'art brut sont un peu lecteurs, mais moi pas du tout. Mais, je m'y fais un peu, mais voilà. Ouais, on s'entend bien et je sais pas si on sera amené à rejouer ensemble plus tard, mais c'était des belles rencontres, ouais, carrément. Et en fait, ça fait du bien de gommer un petit peu les stéréotypes, les préjugés, ouais, classiques contre rockers, contre en fait, c'est balayé en 30 secondes. Et après aussi, c'est, on va dire, des sonorités, des ensembles que j'avais rarement entendus, de voir des façons de jouer certains instruments qu'on pourrait avoir, ouais, le corps, musique de film, ok, d'accord, c'est Jurassic Park, et là tu peux avoir un corps qui queen et qui te rappelle une guitare saturée, et ça c'est chouette, c'est relativement nouveau pour nous musiciens de musique actuelle, on va dire. Je sens vraiment le mélange des univers des deux ensembles, Art Brut et Ars Nova, au point même que j'en arrive presque à me demander comment on faisait avant, quand on était moins nombreux. J'apprécie la chance que j'ai de participer à cette aventure, quoi. Je suis sur scène avec une console lumière. C'est autant le concept de l'œuvre ouverte qu'il demandait qu'une envie aussi de mettre certains effets du spectacle à nu. On n'avait pas envie de draper de noir pour se refaire la boîte noire dans laquelle on avait créé le spectacle à 6. Donc là, l'idée, c'était de se servir de la beauté de ce lieu, de sa géométrie singulière, puisque tout le plateau est coffré de bois avec des reliefs. Et ça, on s'est dit que ça pouvait complètement jouer dans notre grammaire de l'image du spectacle, dans l'histoire qu'on se raconte. C'est un paysage, voilà, le plateau en lui-même est un paysage. Et donc, ça a été l'envie, ouais, de se servir de ce plateau et de prolonger les jeux de transparence et de projection, de les prolonger sur une profondeur supplémentaire. Donc Craig, c'est une œuvre qui à la fois est portée par des éléments musicaux fondamentaux, mais aussi par une symbolique, une allégorie fondamentale, qui est l'allégorie de la sortie de la caverne de Platon. Cette allégorie-là, au final,
on peut à la fois la traduire musicalement dans le fait de sortir de ses habitudes et du coup d'aller s'ouvrir à un monde qu'on ne connaît pas, en tout cas, c'est-à-dire sortir du confort parfois, qui peut être aussi un endroit d'obscurité hein, dans ses habitudes, pour aller se confronter à l'extérieur à une autre lumière. Et ça, c'est vraiment une métaphore qui symbolise très bien le lieu de rencontre qu'on crée avec les musiciennes et les musiciens d'Ars Nova et les artistes d'art brut, parce que cette sortie de la caverne, elle se fait sur l'endroit de sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire sortir de l'habitude d'être derrière son pupitre, en tout cas pour nos artistes côté Ars Nova, ce qui est un challenge, ce qui n'est pas toujours aisant pour des artistes, interprètes en tout cas, mais qui aussi révèle la nature profondément musicale de chacune et de chacun. Traditionnelle, je connaissais un petit peu, ça m'a toujours intéressé, mais depuis cette rencontre, ça m'intéresse encore plus et j'ai envie de plonger dedans. Et là, par exemple, je suis en train de faire des recherches parce que mes parents sont dans la Drôme, donc je suis en train de faire des recherches sur toutes ces musiques-là pour m'en inspirer moi-même, alors que je viens pas du tout de ce milieu. J'ai presque envie de faire des stages de musique traditionnelle pour apprendre et un peu. Essayer de renouer avec ma culture que j'ignore totalement. Et je pense que ce projet est un accélérateur. Ce serait peut-être arrivé aussi sans, mais c'est vraiment des rencontres fortes. Moi, je pense qu'au départ, ça me faisait bizarre de répéter quelque chose très longtemps parce que pareil, c'est pas dans nos habitudes. On a souvent affaire à de la musique très écrite, très développée. Alors là, se retrouver à faire la même chose, bon, il faut un peu accepter que c'est ce qui se passe et pas chercher à varier tout de suite. Et une fois qu'on a laissé faire, qu'on a accepté ce paramètre, ben... En fait, on rentre dans une écoute qui est complètement différente. Une sorte de micro-écoute où on va entendre des changements de timbre, où on va se focaliser plus sur tel instrument qui se dégage. On va entendre les petites variations de pulsation. On va entendre une infinité de variations auxquelles on n'aurait pas fait attention la veille. Donc voilà, c'est vraiment rentrer dans un autre... fonctionnement d'écoute, un autre laisser-aller et perdre un peu nos habitudes musicales. En tant que musicien, ça peut être que bénéfique de justement sortir des cadres qu'on a l'habitude d'avoir et d'en avoir des nouveaux, de se mettre en danger, je vais dire, un peu à chaque fois, parce qu'on est responsable en tant que guide, par exemple, du bon fonctionnement aussi. On est responsable quand on est désigné en tant qu'improvisateur
de ce qu'on amène aussi. On est tous responsables de quelque chose, et c'est aussi ça qui est beau, c'est de partager ses responsabilités voilà, dans la musique, et d'essayer de faire une œuvre qui va être unique vraiment et qui va nous ressembler sur le moment. Justement le but un petit peu de cette pièce, quoi, que sera à chaque fois différente, plus ou moins aboutie, selon les envies de chacun, elle ressemblera aux personnes qui vont la jouer. Du boulot, certainement, il y en aurait, mais je pense qu'il faut savoir à un moment donné se dire que là, la pièce, elle sera jouée comme elle sera jouée demain soir, et qu'elle sera très bien. L'idée d'un espace sonore ou d'un espace musical populaire, c'est vraiment ce qui fait la singularité aussi du projet CREC, c'est-à-dire un espace contributif, participatif, où la possibilité de participer à l'œuvre est ouverte à toutes et à tous. Et c'est là pour moi où prend vraiment l'essence du mot populaire, c'est-à-dire un espace ouvert, un espace où on peut participer à la nature de l'œuvre. Pas forcément un espace où tout le monde peut apporter une singularité artistique. Par contre, c'est un espace où tout le monde se sent autorisé à participer. Et ça, je trouve que c'est vraiment là où l'essence du mot populaire, quand on parle de toutes les musiques d'ailleurs, hein, pas que des musiques traditionnelles, prend tout son sens. C'est-à-dire que c'est un espace ouvert où la contribution individuelle, qui qu'on soit, en fait, est autorisée, et est autorisée d'un point de vue sensitif, c'est-à-dire on sent qu'on peut participer. Et ce qui est fascinant, c'est que cet espace d'ouverture, il est présent, et surtout, il est préservé et il est pensé dans l'œuvre. Gaudi.